Mercon. Quoi? Dégâts. Ça mercon, Didier. Vraiment, j'ai fait cette vidéo pour demander pardon à toute la Côte d'Ivoire. Dégâts. Et en particulier, Didier. Et maman. Salut les fans, je suis Franco. Va en bourse avec ça. Que quoi? Va en bourse avec ça. Là, il a. De toutes les façons, ma fille, chante-nous un peu l'hymne national pour le début de cette édition. Salut à ta d'assurance! Le pays de Côte d'Ivoire, les agents de nous avons ce petit voisin d'unité. Les voyants, les pays, nous avons un de... Non, ma fille, laisse comme ça. Tu vas clôturer à la fin. Parlons maintenant de Didier Drogba. Qu'est-ce qui a causé la chute de ce grand homme en Côte d'Ivoire? Alors pour moi, Didier Drogba n'a pas été lâché par les 81 présidents de club, mais il a été plutôt lâché par le pouvoir en place. Ah bon? Hé, attendez, justifie. Je le dis parce que j'ai cherché l'implication du pouvoir et je ne l'ai pas vu. Donc tu te dis seulement, hein? Et pourtant, si le pouvoir s'était impliqué, on parlerait même pas d'élection à la FIFA. Mon frère, tu n'as aucune preuve, c'est pas l'élection présidentielle, on parle là du football. Mais oui, c'est clair. Qui d'autre peut nous justifier la chute de Drogba? Avec tout le soutien que Drogba a eu sur la toile. Je me pose la même question, Aïcha. Les gens disent que, oh, Drogba, il est chiche. Oh, Drogba est radin, c'est son agent. Ah, donc, c'est la chicheté qui fait chuter Drogba. Car il courait sur le terrain de football là. Qui courait avec vous, avec lui? Non, son passé ne nous intéresse pas. Je demande les raisons de sa chute. Je suis sidérée. Pourquoi? J'attendais de voir vraiment comment on devait porter Didier Drogba et puis le mettre là-bas à sa place. Et comme tel n'a pas été le cas, on doit mettre Didier Drogba où il mérite d'être. En faisant quoi maintenant? Peuple ivoirien, vous devez vous lever et aller manifester votre mécontentement. Va en bourse avec ça, madame. Quoi? Vous devez vous lever. Non, plus de soulèvement, Aïcha. Il y a eu trop de soulèvement, trop de guerre en Côte d'Ivoire. C'est quoi? Je le chien en vous. Que Dieu punisse le diable et sa grand-mère. Quoi? Je suis très fâché. Non, le père, ne te fâche pas encore. Didier, dis-nous un peu, quels sont tes sentiments après cette défaite? On a un nouveau président de la fédération. C'est ça depuis un moment. Et souhaitons-nous bonne chance et accompagnons-nous dans sa tâche. Bravo, grand homme. Beaucoup d'Ivoirois sont toujours fâchés. Hé, grand, tu as dit quoi? Beaucoup d'Ivoirois sont toujours fâchés. Aïe! Ivoirien ou Ivoirois? Beaucoup d'Ivoirois sont toujours fâchés. Quitte là-bas! Mais vraiment, ça fait mal, cette défaite. Non, c'est pas possible! Oh, c'est pitié incroyable! Ça fait vraiment mal! Qui peut vraiment nous donner la raison de sa défaite? Quand tu marches avec quelqu'un, il y a des coups qu'il faut lui éviter. Aujourd'hui, regardez par exemple, il a perdu des médias sur le plan international. Ils sont en train de parler, hein, pour dire que Didier Drogba, il a été rejeté par les propres clubs de son pays. On ne veut pas le sentir. Il a été rejeté. Il veut que Drogba évite un peu d'être hautain. Ils ont tout dit. On a vraiment tout dit. Et qu'est-ce qui justifie vraiment cela? Voyez-vous, à cause de votre comportement, comment aujourd'hui la presse est en train de international et en train de traiter M. Didier Drogba, alors qu'avec un très beau conseil, Didier aurait attendu. Ces élections, ce n'est pas candidat. Rentrer sur le terrain, créer une affinité. Ça veut dire quoi? Parce que dans les pays africains, on ne vote pas les programmes, on vote des affinités. Anouma l'a dit que le programme ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut des amitiés et des affinités. Il faut les créer. Ah, donc c'est ça qui a manqué à Didier Drogba, c'est ça? Didier n'a pas créé d'affinité. Pour quelle raison alors? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'ambition d'être président de la fédération. Que quoi? Parce qu'il n'avait pas l'ambition d'être président de la fédération. Tu es sûr? Et qui? Comment il peut donc poser sa candidature sans ambition? Et pour preuve, lorsque les sites de Borussia allaient le voir pour dire « Viens, on va te mettre comme candidat », il a refusé. À deux reprises, il a refusé d'être candidat à la FIFA. Il ne voulait pas parler, c'était pas son dada, c'était pas son programme. Oh, ça va? On a compris, non? Tu vois, bref, un garçon, il parle pas beaucoup. Vraiment, le père, ce type bavarde vraiment beaucoup, hein? Didier Drogba, bonne chance pour la suite quand même. Arrêtez de pousser, doucement. Vous êtes poussé pour quoi en fait? Vous êtes déjà arrêté pour ça pour quoi? Oh pays. Je suis peur. Hey, ma fille, pardon, reviens finir l'hymne national là, c'est déjà la fin. Les pays de Côte d'Ivoire, les agents de nous avons ce petit voisin d'unité. Les voyants, les pays, nous avons un de nous avons. Appelez la liberté en faute d'unissance. Amour de l'amour de maternité. Hey, mon frère, tu pleures encore quoi? C'est déjà fini, non? Une légende comme Didier. Hein? Une légende. En vrai? Didier là, il doit pas...
Aujourd'hui, il doit devenir président. Quoi? Parce que les plus maudits même, dans cette histoire-là, c'est vous les joueurs de la Ligue 2 ou Ligue 1 ivoirienne. Oh, vous, oh. Pourquoi? Vous dormez dans le salon de vos parents. Comment tu peux comprendre un pro? Il dort dans le salon de ses parents. Point d'interrogation. Tu n'as pas honte. Point d'interrogation. Vous croyez que s'il devient président, lui, c'est pour ses enfants? Point d'interrogation. Les enfants de Didier, là, ils jouent ici en Europe. Il veut devenir président pour vous sauver. Vous êtes là, vous ne dites rien. Les plus maudits, c'est vous les joueurs. Vous allez rester au quartier. Vous allez dormir dans le salon des gens. Vous allez... Oh, ça va? On a compris, non? S'abonnez-vous, likez, partagez et laissez-moi un commentaire. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.